Hey, comment ça va tout le monde sur le campus de la Solti Academy? Vous avez passé une bonne et une agréable journée, ça va tout le monde? Allez, rentrez les étudiants, rentrez tout le monde. Bangkok, t'en parles souvent, c'est si bien que ça? Bah ouf, oui, c'est bien. Non, franchement, Bangkok, c'est bien. Parce qu'il y a des pagodes, et puis il y a les... Et il y a des pad thai. Donc tu manges très bien, très très bien. Tu manges toute la journée. Remember it. Alors, bon, tranquille aujourd'hui, on va partir en game avec Kyuk. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Avec qui on s'était entretenu pour du GTRP il n'y a pas si longtemps que ça. Il m'a l'air fort sympathique. Coaching slash on va arracher des têtes. Alright, let's go. Je crois qu'il doit être là. Hey yo. Yo, comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va très bien. Bah ouais, ça va bien. Tu faisais du R6 déjà avant, tu m'as dit? Je tentais de faire de la compétition, alors j'ai bien dit tenter, hein, mais j'ai abandonné. Ah ouais, pourquoi? Bah parce que à un moment donné, j'avais plus le temps de m'investir comme je m'investissais. Ouais, ça demande du temps, hein. Forcément ça demande du temps, tu m'étonnes. J'y ai donné 5 ans, donc ça m'a suffi. Alors je connais plus du tout la méta actuelle, hein. Je te dis, je sais plus ce qui est joué, ce qui est pas joué. Il y a toujours un principe de base quand même, qui est toujours de cliquer sur des têtes, hein. Ça, ça marche. Bah, ça, nickel. Je devrais pouvoir essayer de me débrouiller. T'as arrêté quand? J'ai arrêté quand ils ont plus ou moins sorti Nokia Warden. Ok, Nokia Warden. Ça, ça me parle parce que j'ai pas totalement lâché, mais j'ai arrêté le tryhard à Nokia Warden. Ouais. Les deux opérateurs les moins utiles de... Kill, ouais, exactement. Du game. Ok, ok. Je vais pas mourir là-dessus. Je dis pas que je vais mourir là-dessus. Un drone qui arrive, drone qui arrive. Drone est mort. Ça va être un Blackbird qui va venir me jouer là, ça va me faire IH. Ici. En ouvrant, il va me décaler. Tranquille sur tes décales. Tu me dis quand tu perds la ligne. Hein. Il y en a qui push, nice. Très mort, très mort. Ok, dans la longue. Dans la longue de A. La longue de A, ok. Il y en a deux, deux, deux. Il me la met. J'ai. Nice. Reste les calls, boulet. J'ai eu un alignement des planètes là. Ok, ça drone le couloir. La passerelle. Je l'ai eu. T'es où ça? Je sais pas. C'est pas moi. Tu penses que j'ai le temps de fermer ma fenêtre ou pas? Un mort? Non, j'ai le diffuse! Ok, j'arrive. Ça va jumper? They're jumping on site, on site. Oh, le C4, j'avais couché. Oh, bah, nice. Ah non, t'en as tué un! J'en ai tué un, ouais, j'ai tué la Doka. Nice, le monstre. L'expérience voudrait que ça arrive et je me dis bah c'est pas si grave en fait. Pas si grave, ça reste du RP, on joue RP et... Mais t'es un monstre. J'ai rien fait du tout. Non mais vas-y, continue de me parler, moi j'aime bien. Moi j'ai dit vas-y let's go, amenez-moi du PVP sur Ready or Not, je ferai toute la méta, hein. J'y passe nuit et jour, j'adorerais ça. Mais le problème c'est qu'on a bien vu ce que ça donnait sur Rainbow Six, au final toute la partie stratégie trop compliquée machin, elle est partie au détriment de la mécanique quoi. On n'a pas transformé Rainbow Six en Tarkov ou en Ready or Not, on a transformé Rainbow Six en COD, avec des skins de Fortnite quoi. Pour moi, là où ils ont fait l'erreur, c'est qu'au début, t'avais des agents avec des capacités, on va dire, plus ou moins réelles, et qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec des agents qui ont des capacités qui laissent à désirer, enfin, de mon avis. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, le côté réaliste m'a jamais... Mais oui, oui. Ouais, des agents un peu pétés, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On est plus que deux. T'es avec moi? Ouais. Ouais, je suis escablou, moi. Escablant, pardon. Ça prend du rappel un peu dans tous les ici. Sens, là. Camping. Parce qu'ils arrivent pas à ouvrir en fait. S'il rentre, il est mort le capi là. Ok.
GG. Twitch, grande fenêtre, grande window. Il est à gauche de la fenêtre. Oh non, je suis con. Non, il est au-dessus. Non, ok. Il va aller pour la chambre. Voilà. Il est en face de moi là avec la ligne, je pense. Il me gratte le nez, je m'en occupe. Ah, pas là. Dans la chambre, en face de moi avec la ligne. Il a tout respecté. Il a respecté le protocole. Il me la met. Coucou. Donc Blue et Ska. Premier palier de l'Ska. Ok, je peux te la... Ok, nice, je vais te la piner. Il utilise sa grosse charge. Elle va décale maintenant. Où ça? Elle décale. Ok. Elle, je la pine pas en rouge, hein. Elle prend la longue couloir. Couloir pour toi maintenant. Ouais, il me la colle. Bien joué, super call. Tu l'entends, hein. Je sais pas s'il est là ou s'il est... Hélicoptère, hélicoptère. D'accord. Il va te mettre une tête. Ah ouais, 100%. Hein. On était sûr. Total illégit. J'aurais dû le flash, mais est-ce que ça aurait servi à quelque chose? Non. Non, et lui, il a pas les flashs, il a pas les murs, il a rien. T'inquiète, lui. Il y a deux trucs que j'ai dû faire, malheureusement, pour me protéger, si je puis dire, sur toutes ces années de R6. C'est un, en avoir plus rien à faire de la partie classement. Parce qu'autrement, tu peux pas, hein, c'est pas possible. Parce que, comme je l'expliquais, en fait, là, c'est un peu comme si tu faisais une espèce d'ascension de l'Everest sans se bouter d'oxygène. Donc, en gros, bah, le but du jeu, c'est quoi? C'est d'aller mourir au sommet, quoi. La seule gratification, c'est de passer un très mauvais moment. Donc, c'est sûr, t'as monté l'Everest, mais t'y crèves, quoi. Et sachant que quand tu l'as déjà fait une fois, deux fois, trois fois, bon, c'est ok, on sait comment c'est, quoi. J'ai déjà vu à quoi ça ressemblait en haut. Et l'autre truc, c'est de façon générale de rien attendre d'Ubisoft. Je le dis pas de façon sarcastique, je le dis plutôt de façon cynique, mais néanmoins parfaitement vrai. En règle générale, quand t'attends, si t'as pas, t'es frustré et déçu. Et comme c'est arrivé plus souvent d'être frustré et déçu que d'être content d'un truc qui est annoncé, pour la preuve, au final, Extraction, même si c'est pas exceptionnel, j'ai plutôt été positivement satisfait au final. Bon, c'est le cheater assuré là qui reste. Il est là, regarde-le. Il arrive dans l'escalier. Ah, non. Ah oui, ton nom, il est sur side. Ah, il peut tirer à travers les murs renforcés. Typiquement, tu vois, tu étais obligé d'en rire, quoi. Au début, ça me faisait péter des claviers, quoi. Mais tu peux pas. Hein. Ça coûte cher après. Ouais, ça coûte cher en clavier. Ouais. Et ça, si tu tryhardes le jeu, t'as que ça, hein. Dans toutes tes games, bah, y a que ça. J'imagine. Voilà, ça, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, faut y jouer, mais de temps en temps. En fait, R6, à l'heure actuelle, à partir du moment où tu dépasses pas le grade de P2, on va dire, tu passeras un très bon moment sur le jeu. C'est du beau R6. En règle générale, les gens connaissent à peu près le truc. La majorité des personnes connaissent à peu près les lignes, etc. Savent à peu près leur taf, ça communique. Le Platinum, c'est vraiment là où ça joue R6 le mieux. C'est des gens qui font des efforts, c'est des gens qui font attention, voilà quoi. En dessous, malheureusement, c'est des gens qui connaissent rien. Et au-dessus, c'est le pire du pire. C'est le pire du pire. C'est des cheaters, mais il n'y a pas que ça, hein. Ça représente une portion, mais qui est malheureusement trop importante sur le jeu. C'est une communauté qui est forcément impactée par le nombre de cheaters, donc extrêmement frustrée. Donc t'arrives et t'as toute la crème, du gratin, du pire en fait. Ouais, toutes les personnes qui me disent « Ouais, moi j'aime bien R6, j'ai pas de problème, je comprends pas », la plupart du temps, c'est parce que c'est des personnes qui sont hors 2, hors 1, P3, et ils ont raison au final. C'est là que tu kiffes, quoi. Au-dessus, non, c'est le pire du pire. Aïe. D'accord. Il était prison. Il a bougé. Mais attends, Ouais, il me regarde à travers. Mais non, il cheat, putain, mais non. Déjà tout à l'heure, j'ai dit bizarre la décale. Je le vois tout de suite. Ça décale plus du zboob. C'est pas comme ça qu'on est. Enfin, le headshot est propre en soi, mais tu décales pas comme ça. Il a fait une décale à la Valorant, quoi. God damn it.
Pluto is cheating, guys. 100%. Ah, got him. Nice. Et ça, il l'a pas vu, visiblement. Let's go, guys. Ils vont être en bas. Tu veux... Ouais, attends, merde. Il y a un tap camp. Il faut pas qu'on perde trop de temps, là. There is one on my ping, bros. Dead. Alors, je vais faire chier un peu. T'as fait tomber le diffuse. Il arrive porte B. Côté what? Escarouge. Dommage. Ah l'autre était au sol, je le savais. Putain, je comprenais pas pourquoi j'entendais ramper derrière quoi. Ah il s'est bloqué dans le trou, putain. You must recover the diffuser. Ouais, il me la met. Ouais mais j'ai la revenge. Revenge, joli. Merci. Ça va arriver, garage. Ok, à la porte couleur. Je pense qu'il est down. C'était bon. Oh non! Joli. Bon poulet, merci infiniment. Bah, merci à toi en tout cas. C'était cool, vraiment. Merci beaucoup, j'ai bien aimé. Bah ouais, et puis bah en espérant tomber sur le même serveur RP du coup. Ouais, carrément, tiens-moi au jus. Merci Kyuk, à la prochaine. Bonne soirée, ciao. Merci ciao, encore. Ciao, bye poulet, bye.